Salut à tous la team, pour faire partie de la team Nyama, la meilleure team du monde, la plus marrante, mettez ce logo là en tant que photo de profil YouTube, voilà. Le lien pour télécharger le logo est dans la description. Ah oui, j'avais oublié, et pour ceux qui veulent par exemple prendre des cours de japonais, que ce soit apprendre le japonais pour les mangas, apprendre le japonais pour aller travailler au Japon, pour aller vivre là-bas, pour aller draguer des filles, etc. et tout, ouais, chacun son but, hein, voilà. Moi je donne des cours de japonais sur Paris, voilà, sur n'importe où sur Paris, même en banlieue parisienne, je donne des cours de japonais. Donc envoyez-moi un message en MP sur Insta si vous voulez le détail, les tarifs, etc. et tout, et tout simplement voilà. Bon, je vous avec la vidéo. Salut à tous, Récule et Mandafolie! Aujourd'hui, on n'est pas à Châtelet, hein. J'en ai marre de Châtelet. Là, on est à Montmartre. Regardez la belle vue. Belle personne, regardez le petit gamin, il est en forme aussi. C'est important, tu vois, voilà. On sait quoi aujourd'hui? On va du coup demander le prix des habits du coup aux gens. Bah, vous aimez le concept, hein, vous connaissez. Sauf que là, c'est édition Montmartre. Ça change, hein. Très important. Si vous pouvez mettre le logo que j'ai mis en description en profil, c'est bien. Comme ça, vous faites partie de la team Nyama. Enfin bref, je vous laisse avec la vidéo, tranquillement. Voilà, allez, à plus. Salut, comment ça va? Très bien, et toi? Je dis que vous êtes meilleurs amis, hein? Oui, en effet. De la vie. Je vois ça, hein? Je vois ça, ouais, on s'est rencontrés au Cameroun. Au Cameroun, sérieux? Oui, moi. Ouais, d'accord, ok. Voici la question, là. Du coup, d'abord, toi. On aimerait du coup savoir le prix de tes vêtements et la marque. On va commencer d'abord par le long trench. Du coup, ça vient de Corée. De Corée, carrément, ouais, ok. Je l'ai acheté en Corée. Marque. Ça, je suis un grand fan de Corée. Hein. Ah oui? Je mate des K-dramas, j'aime bien la K-pop. Super, super. Okay. Mais du coup, enfin, j'en rappelle plus trop la marque. Ouais. Common Unique. Common Unique, ok. Et c'est combien à peu près? Converti en euros, du coup, ça vient pas très cher parce que c'est assez léger. Ouais. 60? Ça va, 60 euros. Oh, bien. Ouais. Ensuite, ta chemise à l'intérieur. Ça vient de Corée aussi, du coup. Aussi. Mais non marque. Genre, j'ai les chopé comme ça dans la rue. Tu as volé? Non, ouais, j'ai pris, j'ai couru. Et ça, c'est Mango. Mon jean, c'est Mango. Jean, c'est Mango, ouais. Et Adidas, quoi. Et combien, du coup, le jean, à peu près? 40. 40 euros. Ouais. Et les paires, du coup? Classique. 80, 100, 100. 100 euros, ouais. 100 euros, ok. Et du coup, ton petit sac rouge, là, il est beau, hein? Merci, c'est un peu l'objet le plus précieux sur mon corps. Je vois ça, je vois ça. Et du coup, la marque, c'est? Tammy and Benjamin. Benjamin. Le prix à peu près combien? C'était un cadeau, mais je pense que c'était vers 300-350. Ouais. Un cadeau de qui? D'un copain ou Ouais, ce fut un copain, il fut mon copain. Ok, un ex quoi, un ex. Ouais, ouais, okay. C'est ça. Des bracelets ou des bagues? Non, une montre. Ah tiens, bah voilà. Ok, la marque c'est Michel Emblin. Combien à peu près? C'est pas ça, j'ai les un cadeau aussi? Ouais. Oh, okay. Et ton collier là, ton petit collier? Ça c'est Kenzo. Ouais, Kenzo. Ouais. 80 je crois, 80, je l'ai payé. Très bien. Bah on est bon. À toi du coup alors, ton trench. Ok, bah mon trench c'est un Zara, mais la collection ouais. Studio. J'ai eu dans les 160, 70, 70. Ah, oui. Ouais. La touche. Ah ouais, c'est tout, hein. Ouais. C'est la collection studio, du coup ils font pas pareil que les collections basiques en fait. C'est un peu du hype quoi, c'est un peu plus cher. Puis un peu plus cher, un peu haut de gamme. Ouais. Un peu sac, c'est un Zara mais en cuir. En cuir, ouais. Ouais, combien? Bah je l'ai eu en solde, je crois qu'il m'a coûté 29. Oh, easy. Finalement, bien le prix, 29. Oui, il était bien. Bien, bien. Bah la casquette c'est Nike, je sais pas, ça coûte pas trop euros, cher, quoi. 20, ouais. Du coup ton truc là, à l'intérieur, ton gilet là. En fait c'est une robe. Ah, c'est une robe. C'est une robe très ah mini, oui, donc c'est pour ça que je me couvre. Il faut montrer, hein, c'est l'été. Mais, non, mais justement, il fait froid un peu aujourd'hui, c'est vrai, pour ça c'est que vrai. Je couvre. Du coup, c'est une Bershka, je crois que ça m'a coûté 15. Ouais, c'est du basique. Hein. Et du coup, tes shoes là, tes shoes. Bah, pareil, Bershka, je crois qu'elles ont coûté dans les 40, 30, 40. Donc, ouais, sont bien. Ouais. Après, j'ai un collier. Ouais. Là. Mais... Tu peux ouvrir plus. Du coup, le collier, c'est quoi? Le collier, du coup, le médaillon, c'est un Céline. Céline, ouais. Mais du coup, l'ancienne direction artistique. Ouais. Donc, Phoebe. Phoebe, et okay. Le médaillon, juste le médaillon, il m'a coûté dans les 180. Ok. Juste le petit médaillon. Ouais. Et la chaîne, c'est une chaîne d'histoire d'or. Je crois que c'est bon, après, on a tout dit. C'est tout, hein. Après, okay. Bon, je sais pas si la manucure ça compte. Bon, parce si vous que voulez, c'est vas-y, cher si tu veux. Aussi. 40 allez. Euros. 40 euros, ouais. Ouais, et c'est tout. Voilà, comme vous pouvez voir, il y a aussi un petit manège tout mignon là. Hein, pour les Nyama abonnés qui veulent sentir enfant, bah allez-y, hein, voilà. Je vais en faire aussi? Non. Un mec comme moi qui va venir, ils vont flipper les petits là. Ah ouais, non, vous êtes malade. Aujourd'hui, on aimerait savoir du coup la marque des vêtements que tu portes et aussi le prix. On va commencer d'abord par le trench code rouge. Ça c'est H&M. H&M, ouais. H&M. Et c'était combien à peu près? Je crois 39. 39 euros, que ça marche, ok. Oui. Ensuite, le petit haut. Ça, je crois, c'est Bershka. Bershka. Peut-être 12 euros. Ça va, 12 euros, c'est pas cher. Oui, ça oui. Va. Ensuite, du coup, le jean en pâte d'éléphant. Les jeans sont ouais. Zara, j'ai ça pas 20 euros. 20 euros, ok. Oui. Ensuite, tes chaussures. Les chaussures, ça, je me souviens la marque. Ouais. Mais peut-être 40. Est-ce que tu as des bracelets ou des bagues? Non. Ok. Et ensuite, le sac, le dernier. Le sac. Il est bien, il est bien. Ah, il est bien, hein. Il est mignon. C'est quoi la marque du coup? C'est Zara. Ouais.
et c'est 25, je crois. Ok, 25 euros. Okay, ouais. En tout cas, c'est parfait. Okay, merci beaucoup à toi et puis voilà. Magasin de glace juste à côté de chez moi. Tes masques, ils font. En plus, Montmartre là, oh, c'est tellement beau. Hein, on découvre le quartier là, encore une fois là. Quand c'est beau. Et la glace là. Alors aujourd'hui, on aimerait savoir la marque de tes vêtements et aussi le prix. La marque et le prix. On va commencer d'abord par la veste. Asos. Oh bien, moi aussi préféré Asos. Hein. Ah ouais. Le prix, je pense 50 euros. 50 euros ? Oui. Ensuite, ton t-shirt. 50 centimes, je pense que j'ai acheté en fripe. 50 centimes ? Ouais, mais. Ah, putain, ouais. Chance, hein. Ouais. 50 centimes, ah ouais. Ensuite, ton jean. Je crois que c'est Asos aussi, mais. Oh, c'est bien, c'est bien. Mais genre 30 euros, je crois. 30 euros, ok. Ouais. Ensuite, tes New Balance. 126, je crois. 126, ok. Ouais. Elles sont bien, celles-là, j'aime bien. Hein. Ouais. Est-ce que t'as des bracelets, une ceinture ou une bague, quelque chose ? Non. Okay. J'ai cette bague là, mais ça, c'est 10 euros, je crois. Okay. Ah oui, ton petit sac, du coup, ton petit sac. Ouais. Ah ouais, c'est un ping-pong, du coup, c'était 50 euros, je crois. Ok, c'est 55 peut-être. Ah oui, les lunettes aussi, pas oublier. Ah oui, les lunettes, c'est des Burberry et c'est 230. Ah ouais, mon gars, pas mal, hein. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Hein. Bah, t'as rien, écoute. Bonne journée. Ah, t'es mal, lui là. Il est allongé, mais t'es pas comment il est allongé, lui. On dirait qu'il attend une go. J'abuse pas, frère, attends. Frère, abuse pas, c'est quoi ça là? C'est à qui les fleurs? C'est pour qui? C'est à moi. Ah, c'est pour toi? Ouais. Et qui te les a achetées? Elle. Ah, gentil, bah, c'est bien. On va commencer d'abord par la veste en cuir. C'est quelle marque et ça combien à peu près? Zara, peut-être 50 euros. 50 euros, ok. Ouais. Ensuite, ton haut blanc, du coup? Zara aussi. Zara aussi, ok. Ouais, combien, et 30 euros. 30 euros. Ouais. Ensuite, ton jean, Zara aussi? Pull&Bear. Pull&Bear, ok. Ouais. Là, ça change. Peut-être 20 euros. Ensuite, tes belles paires, du coup, là? Je sais plus, Adidas. Adidas, mais c'est quel modèle? Je sais pas du tout. Je sais plus. Tu me dis rien. 80 euros peut-être. Ok, ensuite ton petit sac là, avec des beaux motifs. Zara, bah, encore Zara. 20 euros. 20 euros. Ouais. Des bracelets ou. Ah tiens, des bagues. Bah tiens, voilà, je vais vous montrer tout ça là. C'est des bagues de quelle marque du coup? Ça c'est Hermès. Ah bien. Ça c'est Agatha. Ok, et c'est combien environ tu penses la bague? 400 euros. Ah quand même, hein, voilà. Là c'est une marque d'un petit un artisan okay. À la campagne. Et combien à peu près? Je l'ai payé 80 euros. Ok, ça marche, ok. Bah, je pense qu'on a tout dit. Hein. Ceinture? Ah, un collier aussi, un collier. Ouais. Hermès aussi? Ouais. Ouais, combien? 300 euros. Ouais, d'accord, ok. Dis donc, Zara Hermès, hein. Ouais. À toi, du coup, le gros pull. Pull&Bear, je crois. Ok. Je sais pas. Ensuite, ton pantalon. Pull&Bear, je crois. Donc, dans la trentaine. Trentaine de gros. Ouais. Ta ceinture, du coup? Avec un C. C'est une marque de mec. C'est la ceinture de mon frère. CA? CA, ouais, un truc de genre. Okay, d'accord. Donc, on va dire une trentaine d'euros. Ok. Et ensuite, du coup, tes paires. Mes Nike, ouais. 90 euros. 90. Ouais. Tu as des bracelets ou quelque chose? Non, mais okay. J'ai mes boucles d'oreilles, mais on me les a offertes. Ah, ok, d'accord. Donc je pourrais pas le et dire. Et ton sac, du coup, en dernier lieu? Bah, ça, c'est un sac Shein. Ouais, une quinzaine d'euros. Ok, ça marche. Il est sympa. Bah, nickel. Voilà la vraie vue d'en haut, là, de Montmartre. C'est pas une dinguerie, là? À Châtelet, tu peux pas voir ça, Châtelet. Hein. Non, à Châtelet, tu vois que des charros. Là, ici, c'est bien. Là, on voit une belle Yamaha. Non, franchement, la vue elle est belle, non? Ouais, ouais, c'est. Ouais, c'est dinguerie là. Là, c'est mieux que de voir des charros tous les jours. Tu vois, largement, tu vois. Vas-y, les gars, on vous laisse. Tournage, ça continue. Voilà. Alors, moi. La petite veste kaki là. La petite veste kaki, je te dis un truc sincèrement, elle est à elle. Ah, tu l'as voulu? Ouais, c'est voilà, j'ai envie de mettre. C'est cadeau, donc ça. Mais sinon, je porte. Ouais, je porte tout ce qui est voilà, commercial, Pull&Bear, HM, Zara, ouais. Bershka, voilà, c'est plus et ça. Et du coup, quoi. Ton col roulé, c'est quelle marque? Mon col roulé, je crois que c'est un HM, tranquillement. Là. Combien à peu près? Je sais plus, j'ai appelé à longtemps, je pense que ça doit être à 12 euros. 12 euros, ok. Ouais. Ensuite, ton pantalon, du coup? Mon pantalon, c'est un Stradivarius. Ouais. Et il était à 20 euros, un truc comme ça. 20 euros. Ensuite, ta ceinture? Ma ceinture, bah voilà, elle va te répondre. Tu peux répondre tout, elle, prend tout. Ah, elle, ça, hein, c'était prend tout, une hein. Primark, moi. Primark, donc dans les 3 euros? Dans les 3 euros, ouais, ça va, voilà. on connaît. On est ensuite, tes paires, là? C'est des Air Force, bah des Air Force, ça, 100 euros. 100 euros, ok. Ouais. Et du coup, ton sac, en dernier lieu? Alors, mon sac, bah, c'est un sac de salle de sport, c'est un tote bag. Salle de sport Madeleine. Vous êtes des sportives, ici? Moi, un peu, j'ai commencé. Depuis le confinement, on essaye. Que les jambes ou aussi le haut? Tout. c'est bien. À toi, du coup. Alors, mon haut, du coup, c'est elle aussi, c'est un H&M. H&M, ouais. Le pantalon, bah, c'était un Stradivarius aussi. Ouais. Et Jordan, bah. Trop belle, hein. Merci. Ouais, c'est chez Footlocker. Combien, pas celle-là? 110. 110, ouais. Celui-là, c'était 12. Le haut, je sais pas. Et ton. Mon sac, c'est un CA. C'est okay. Là, c'est dans les 20 euros maximum. Voilà. Et ta montre, en dernier lieu? C'est une fausse Festina. C'est une fausse? Non, c'est une vraie. Ah, c'est vrai, okay. Non, je croyais que c'était fossile, mais c'est Festina. Ouais. Combien? 200, 300 euros. Ok, ça marche. C'est un cadeau de ma mère aussi. Bien, c'est un okay. cadeau de ma mère. Okay. C'est... Bon, on est bien, les cadeaux. Voilà. Okay, merci beaucoup. Hein. Merci c'est pas à une vous. Question d'argent, du coup, pour être stylé. T'inquiète. Voilà. Vas-y. Bon, aujourd'hui, on aimerait savoir du coup le prix de tes habits et la marque. On va commencer d'abord par la belle veste, là, le bon bomber. C'était Zara. Zara, ouais. 90 euros. Putain, elle est bien.
putain, 90 euros, il est bien fait en tout cas. Merci. Ensuite, le t-shirt. Le t-shirt H&M. H&M. C'est 10 euros. 10 euros, ok. Ensuite, ton beau pantalon là. Le bas, c'était Bershka. Ouais. Peut-être 30 euros. Ça va, easy. Ouais. Ensuite, tes belles paires là. Que j'ai acheté hier. Hier, en plus. Ah. Courir. 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 T'inquiète, ouais. 110 euros. 110 euros, propre. Ouais. T'as pas des bracelets ou quelque chose, des bagues? Même pas, moi je suis pas bijoux. Ok. Bah, du coup, ton collier. Hein. Ah, mon collier, je crois que c'était 15 euros. 15 euros. C'est la marque. Attendez, c'était Boohoo. Boohoo. Ah ouais, sur Asos, non? Non, Boohoo, la marque. Ok, Boohoo, la marque. Bon, c'est bon, un tout j'ai. Ah, tiens, ta petite sacoche là. Zara aussi, je crois que c'était 30 euros. Tu kiffes Zara, toi? Ouais, j'aime bien. Je vois ça. Hein. Bon, c'est un peu cher, mais j'aime bien. Ça va quoi, ça, ouais, va. Ça va. Ça va, ça. À toi, du coup. Ouais. Alors, ensuite, d'abord ton pull là, Mister Way. Pull, en gros, c'est juste le pull de mon école, ça, 80 balles. Ok, école de quoi, du coup? Ostéopathie. Ah, lourd, lourd. Okay. Ouais. Ensuite, ton Jogos là. C'est pas un Jogo, mais c'est un Dickies. Ok, combien à peu près? 100 balles. Et la marque? Dickies. Dickies, ok. Et ensuite, tes paires là? Bah, Nike Mormoni, Texas, ouais. Je les ai eu avec réduction, mais c'est 180. Elles sont originales, hein. Elles se démarquent, tu vois. Merci. Ouais, elles se démarquent, ouais. T'as pas des bracelets ou quelque chose? Ça, mais ça sert à rien, ça sert à rien. C'est rien. Ensuite, ta petite banane, Ispac là. 15 balles. 15 balles, ok. Ouais. Et ton bonnet là? Salut. 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 Et combien? Je crois que c'était 20 euros, je crois. Et c'est quoi la marque? Zara aussi. Zara aussi, lui, c'est tout. Zara, ça rapporte. C'est sponsorisé, hein. Bon, en tout cas les gars, merci beaucoup. Hein. De rien. Bonne merci. Journée. Au revoir. Ciao. Salut, comment tu vas? Bien, et vous? Bien aussi. Hein. Tu vas aller bosser là? Non, je vais retrouver des amis. Et t'es en retard? Ouais, je suis en retard parce que je trouve pas de Vélib électrique. Et je veux pas en prendre un normal. Ok, pourquoi un normal? Parce que j'ai la flemme. Pas très sportive, hein, ce que je vois. Hein. Alors aujourd'hui, on aimerait savoir du coup le prix de tes vêtements et la marque. Alors, on va commencer par la petite veste là. Ça, c'est une fripe. Je pense j'ai dû l'acheter chez Guérisol, donc elle a dû me coûter 10 balles. Ça va, hein, 10 balles. Hein. Ça, c'est un Bershka, donc 5 euros. 5 balles. Ça, c'est des fripes aussi, ça vient d'une fripe d'Avignon. Ouais. Combien et, ouais, 10 euros, je sais 10 pas. 10 balles, ok. Et les paires là? Les pompes, c'est des Bershka aussi, mais hyper anciennes. Et je les ai défoncées, mais je les aime bien, elles sont méga confort. Bon, en tout cas, elles tiennent bien en tout cas. Hein. Et le sac, ouais, c'est un cadeau de mes potes, pareil, fripe. Fripe, okay. Voilà. Donc ma tenue coûte 30 balles, je pense. 30 balles, tout ça, c'est bien. Et du coup, attends, ta bague, j'ai oublié. Alors la bague, par contre, elle coûte cher. C'est une Hermès, quoi. Donc, ouais, donc le prix, quoi, ça va, hein. 800 balles, 900 balles, bon. Je sais pas. Ok. C'est un cadeau. Ah, c'est bien, un cadeau, hein. Okay, ouais. Merci beaucoup, en tout cas. Bah, merci à vous, bonne journée. Ciao. Ah, t'es ici. Vous croyez pas, on est un peu en vacances, là? Non, on est dans Paris, hein. Vous avez vu un peu, genre. C'est vraiment stylé. On se croit en vacances. Non, mais on est à Paris, hein. Ah, on est où là? On est à Paris, hein? Ouais, on est à Paname. Ouais, ça pue Paris, ça pue toujours, hein, mais bon, c'est beau. Au moins, c'est beau. C'est ça l'avantage.